Bienvenue à ce premier journal de la semaine, mesdames et messieurs, que vous propose Face Télévision à la une. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré mardi 23 août 2022 l'usine de traitement d'eau potable à Lemba Imbu, dans la commune de Mongafula. La une de plusieurs journaux parus ce lundi 22 août 2022 dans la capitale congolaise. À ce sujet, certains médias rapportent que cette usine, dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour dans sa première phase, est fin prêt et n'attend que son inauguration, fruit de la vision du chef de l'État. Restons à la présidence. Que retenir de la semaine du président? Kinshasa a gagné le pari. L'organisation du 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Suivez le détail avec Marcelo Kalinda. Kinshasa a gagné le pari de l'organisation du 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, qui a connu une forte participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont foulé le sol de la capitale le mardi 16 août, à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'ouverture du sommet, le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine le président du Malawi, Dr Lazarus Chakwera, président en exercice sortant de la SADC. Devant la presse, au sortir de leurs entretiens jugés cordiaux et fraternels, le président du Malawi a fait état du projet des échanges commerciaux entre Lilongwe et Kinshasa, avec la suppression des visas afin de permettre l'intégration de peuples malawites et congolais. Et une commission mixte devrait être mise sur pied afin d'analyser la faisabilité du projet. Le président Félix Antoine Tshisekedi, président entrant de la SADC, s'est réjoui du soutien du Malawi face à l'agression de la RDC dans l'est du territoire national et de l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide aux côtés de la Zambie et de la Tanzanie. Mercredi, le 17 août 2022, le président de la République et ses hôtes de marque, le roi des Swatini, et les présidents du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés au Palais du Peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Kantore, la reine des Swatini et les premières dames des autres pays participant au sommet, ainsi que de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilités. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Le président de la SADC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pairs fondateurs. Intervenant ensuite dans son discours de clôture des travaux, le nouveau président de la SADC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et de gouvernement au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation, gage de son développement.
C'est une dynamique à renchérir le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo qui sera au cœur de son action avec un accent particulier sur le développement des infrastructures sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région avec le concours de tous. Un autre temps fort du 42e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makombo Ntumba aux fonctions de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadibanga, en présence du président de la SADC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu Madame la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, dans le cadre d'une visite d'État qu'elle effectuait à Kinshasa. Un communiqué officiel sanctionnant la rencontre bilatérale de deux chefs d'État a été lu à l'issue de leurs échanges. Dans ce communiqué, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de développer les relations politiques, diplomatiques, commerciales et stratégiques entre Dar es Salaam et Kinshasa. Les deux hautes personnalités ont insisté sur la nécessité de consolider une architecture régionale de paix et de sécurité pour la SADC et pour leur pays. Vous venez de suivre un reportage de la presse présidentielle de la promesse à la réalisation un port de pêche moderne en pleine construction dans la commune de Lancélé à Kinshasa. La population de ces coins de la capitale assiste à la réalisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Adrien Bokele, le dit au micro de Junior Dinanga. Suivez. Et sans impression de satisfaction, en tout cas parce que je sais que nous sommes partis d'une promesse, comme vous le savez, c'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas cru, parce que j'ai entendu même des gens parler des promesses, que le chef de l'État et le gouvernement font toujours des promesses, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils affirment et ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons une preuve et le compte que lorsqu'on promet, on le réalise. Lorsque le chef de l'État promet, il le réalise. L'année passée, il a promis aux pêcheurs d'installer ici un port de pêche que nous appelons en jargon technique le débarcadère intégré. Aujourd'hui, le débarcadère est en train de voir le jour. Et si moi, comme ministre du secteur, je suis arrivé ici, c'est tout simplement pour voir l'évolution des travaux sur terrain. Et à ma grande satisfaction, je réalise que les travaux évoluent très très bien. Vous imaginez, lorsque nous serons autour de 3, 4, 5, 10 mois, donc ça va être vraiment un grand ouvrage qui va être érigé. Donc, prenez votre mal en patience, comme on dit en français. Petit à petit, nous allons suivre l'évolution donc des travaux. Quittons Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour la population du territoire de Mambasa en Ituri. Les limites administratives avec le territoire de Mambasa dans le Haut-Uele sont désormais connues. Le travail des délimitations ont duré 3 jours avant Nyanya en présence de l'expert de l'Institut géographique du Congo, sollicité par le gouverneur des deux provinces. Suivez cet extrait de la presse militaire en Ituri. Mombasa iko wapi na njia wapi na territoire ya Wamba na njia wapi. Cette promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri lors de sa mission d'itinérance à Mombasa au mois de juillet est à ce jour réalisée. Fini le conflit des limites administratives entre les territoires de Mombasa en Ituri et celui de Wamba dans le Haut-Uele au niveau de l'agglomération de Nyanya. Deux bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo située à 3 km de la dite agglomération et des autres de part et d'autre de la rivière Amanzao à 19 km par
les experts de l'Institut géographique du Congo. Un extrait du communiqué final des travaux de délimitation clôturés le vendredi dernier et lu par Godefroy Kouanza, inspecteur provincial de la territoriale. Il y a lieu de rappeler que la démarcation des limites administratives entre les deux provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les deux parties se sont accordées pour un moratoire en dehors 3 mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevés illico. La résolution de ces conflits de limites vieux de plus de 25 ans saluée par les habitants de Nyanya. Nous les habitants de Nyanya, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce que nous ne sommes pas arrivés à nous battre. Et nous remercions les gouverneurs pour la réalisation de ces travaux. Notons que le travaux de démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé au niveau de Nyanya sont intervenus après s'être effectués entre les deux provinces en territoire d'Aro. Une preuve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en Ituri dans une approche globale en exécution parfaite des instructions du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, construction de plusieurs écoles dans la ville de Kananga, province du Kasaï central, c'est l'œuvre des anciens Kuluna de Kanyama Kasese. Occasion pour le gouverneur de cette province de saluer l'initiative du général Kasongo. Suivez ce reportage. Voici à quoi ressemblent quelques écoles à Kananga dans le Kasaï central. Un bâtiment qui tient à peine debout, une autre partie faite en paille, pas de banc. C'est ici où l'expression « s'asseoir à même le sol » prend tout son sens. Mais dans 2 mois, une école pareille va céder la place à ce type d'établissement scolaire. Des bâtiments construits en matériaux durables. Situé dans la commune urbano-rurale d'Onganza, l'ouvrage est une réalisation des bâtisseurs du service national. Issus pour la plupart de la première vague des Kuluna transférés à Kanyama Kasese, ces bannis d'hier sont devenus une fierté pour toute une province, toute une nation. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. C'est pour ça que je suis en train de féliciter le général Kasongo. À Kananga, il n'y a pas que Nganza qui bénéficie de l'expertise de ces ex-délinquants. Il y a aussi Kanyuka. Ici, une autre école est en construction. Au regard des avancées, le commandant du service national se veut confiant. Pour le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabui, conformément aux instructions du chef de l'État, les enfants de cette partie du pays pourront, dès cette année scolaire, étudier dans de bonnes conditions. Dans les 2 mois qui arrivent, vous allez trouver des écoles qui sont prêtes à accueillir les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Ces écoles vont comprendre 12 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau de directeur, une salle de prof, un terrain de basket pour ne citer que cela. Ils seront équipés des bancs et tableaux made in Kanyama Kasese, c'est-à-dire fabriqués par les bâtisseurs. Restons en province, campagne d'adhésion porte à porte à Boma au Congo central, organisée par le coordonnateur de la Ligue de Gênes de Ensemble pour la République, Jacques Ndala, après son passage à Matadi. Je vous propose de suivre cet extrait. Après Matadi, la forte délégation de la JR sous la conduite de Jacques Ndala marche sur Boma, la deuxième force du Congo central. Ici, les envoyés spéciaux de Moïse Katumbi Tshapwe pour la campagne d'adhésion porte à porte, bien accueillis par l'interfédération de la JR Bas-Fleuve sous la direction de Maître Bibiche Moussenge Mwasi Mangeta.
Le coordonnateur de la jeunesse des Ensembles pour la République a invité les Beaumatraciens d'adhérer à Ensemble et de cheminer ensemble avec Moïse Katumbi Tshapwe, car un autre Congo est possible. À son tour de parole, l'interfédérale Bas-Fleuve, très contente de la présence de sa hiérarchie, et glisse un mot pour l'assistance. Avant de se séparer avec ses siens, Jacky Ndala et sa suite ouvrent les couloirs de porte à porte aux adhésions à Ensemble pour la République. Sinon, l'activité se clôture sous une note de satisfaction. Retour à Kinshasa, inauguration de la bibliothèque ainsi que la salle polyvalente à la maison communale de Bandalungwa samedi dernier, œuvre du bourgmestre de cette commune, Bailon Thierry, en partenariat avec une structure belge en présence de la représentante du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, Raissa Kitambala et Josué Kinanvidi étaient présents. Bandalungwa, jadis la commune réputée des intellectuels, souhaite reprendre sa place des meilleures communes de la capitale. Pour y arriver, Bailon Thierry Gaïben, bourgmestre de cette commune, s'est investi à chasser les antivaleurs dans sa commune. La matérialisation s'est fait voir en ces jours avec l'inauguration d'une grande salle polyvalente et une bibliothèque communale à l'utilité publique. Ces infrastructures réalisées en partenariat avec Woloé Saint-Lambert, une structure belge, ont attiré l'enthousiasme des autorités qui ont répondu présent à cette cérémonie. Pour nous, c'est quand même une grande fierté, un honneur, et surtout que ça répond vraiment à la vision du gouverneur de la ville, parce que pour avancer, pour aider Kinshasa à avancer et ses communes, c'est développer le partenariat et le partenariat décentralisé. C'est de plus en plus le mode de gestion qui est, préféré ou qu'on encourage. Le bourgmestre de Bandalungwa a circonscrit les efforts consentis à la réalisation de l'œuvre. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller en pleine pandémie en janvier 2020 à Bruxelles, et où je rencontrais mon collègue bourgmestre de la commune de Woluwe Saint-Lambert. Nous allons évoquer le problème de la connaissance des enfants. C'est pour cela que nous avons eu ces beaux bâtiments. Ces deux bâtiments seront équipés par la structure partenaire Woluwe Saint-Lambert. Nous ne resterons pas là puisque cette bibliothèque sera aussi aménagée et équipée de livres, d'une bibliothécaire. Donc ce n'est pas juste un bâtiment, ça va bien au-delà de ça, et c'est ça le plus important, c'est que nous allons vers Bourgmestre.
Signalons que le président de l'ensemble provincial, Godin Poyi, a également pris part à cette cérémonie. Changeons de chapitre et prenons cette information en brève. Nous venons de l'apprendre, le pasteur François Moutombo dit « Voici l'homme de l'église Aseka Kalembelembe, située dans la commune de Kinshasa, a été excommunié définitivement de l'Aseka par l'évêque Pascal Mukuna. Il est reproché à cet homme de Dieu le cas de récidivité contre les statuts de l'Église en créant les assemblées parallèles à Aseka sous le label des groupes d'intercession Babuki Mibeko. Il a également gardé main mise sur cette assemblée pendant sa longue absence au pays pour des soins médicaux en Europe et qu'à son retour, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde sauf au représentant légal de l'Aseka, l'évêque Pascal Mukuna. Autre chose à présent, l'arrivée de la dépouille mortelle de l'ancien président de la République angolaise, José Eduardo dos Santos, à Luanda, la capitale angolaise, le week-end dernier. Le cercueil a été réceptionné au pied de l'avion par sa famille biologique et de milliers d'Angolais. Marcelo Kalenda nous en dit plus. Décédé à Barcelone, en Espagne, le 8 juillet dernier, le corps de l'ancien président angolais José Eduardo Santos a été rapatrié. Samedi dernier, la veuve et les orphelins étaient présents à l'aéroport de Luanda dans les larmes. L'arrivée de cette dépouille était controversée même au sein de la famille biologique, dont sa fille Chizé dos Santos, qui souhaitait que son père soit enterré en Espagne pour éviter la récupération politique du fait que le pays est en pleine campagne électorale. Né le 28 août 1942 à Luanda, Eduardo Santos grandit dans les quartiers pauvres de Sambizanga où il travaille clandestinement parmi les étudiants pour le renversement de la domination coloniale portugaise. À 19 ans, il rejoint le MPLA et se réfugie à Kinshasa. En 62, il rejoint les Forces armées populaires des libérations d'Angola, de l'Union soviétique. Il obtint en 69 le diplôme d'ingénieur du pétrole et de la télécommunication et fut aussi chanteur de plusieurs chants révolutionnaires. À l'accession de l'Angola à l'indépendance en 1975, il devient ministre des Relations extérieures, vice-premier ministre au plan en 1978. À la mort du premier président Agostinho Neto en 1979, José Eduardo Santos est désigné par le MPLA pour prendre le pouvoir le 20 septembre 1979. Sa légitimité mise en cause par Jonas Savimbi. Le pays entre en guerre civile pendant 27 ans. En 1992, il organise les premières élections auxquelles il emporte et Savimbi, reprenant la guerre et qui fera plus de 30 000 morts. Réélu en 2003, puis 2012, en 2017, João Lourenço va le succéder à la tête de l'Angola. Son empire est menacé par son successeur, José Eduardo Santos, a rendu l'âme le 8 juillet à Barcelone, laissant 4 enfants et une veuve. Parlons sport pour boucler cette grande édition du journal. Tout d'abord avec cette brève, la semaine de tous les enjeux pour le FC Renaissance du Congo avant l'ouverture de la saison 2022-2023 à la Ligue nationale de football. Selon une source proche de la FECOFA, l'entité d'appartenance du club Orange de Kinshasa, la Linafood, qui avait donné sa position au parquet de match sur la question de la société où Asbel vient encore de confirmer à l'inspectorat général de justice par l'entremise de son président Bosco Mwehu que son entité ne gère que les Asbel sportives.
Enfin, le football club féminin à Mani participe à un tournoi international à Dodoma, en terre zambienne, en terre tanzanienne, la délégation congolaise a foulé le sol de Dar es Salaam ce dimanche 22 août 2022 dans la soirée. La suite avec Fred Abala, notre envoyé spécial sur place à Tanzanie. La délégation du football club féminin Amani a atterri à Dar es Salaam ce lundi 22 août à 2h35 où le protégé du président Charlie Kasongo vont participer à un tournoi international en terre tanzanienne. Le tournoi international de Dodoma a été reporté il y a un mois suite à la disparition de Papi Ngandou, photographe de l'équipe de Kinshasa, décédé le 12 juillet de l'année en cours. Une délégation composée de 34 personnes, dont 17 joueuses sous les commandes du coach Mossi Raphaël, vont défendre les couleurs de la RD Congo. Des semaines de compétition pour le rouge et blanc des Amani, où l'équipe a installé son quartier général au village Hôtel Royal Dodoma, en Tanzanie. Fin complète de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Junior Dinanga. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.